my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna stay. Bon, je suis avec Noé, on a les mêmes bottes en plus, regarde, je sais pas, j'étais au même endroit, mais on a les mêmes bottes de jardinier en herbe. Et c'est parti pour refaire tout le potager là, enlever toutes les mauvaises herbes. Et cette année, on va tout mettre en bac, comme ça. Ce sera le plus simple. On a pris du terreau, je sais pas s'il va y en avoir assez, parce que ça c'est les petits sacs, c'est pas les gros. Ouais, au pire j'en rachèterai, mais voilà. Là, la plus grosse partie, ça va être d'enlever toute cette mauvaise herbe là. Les plantes tomates qui sont morts, hop, ça vire et on va mettre tous des bacs. Bon, comme vous l'aurez compris, ça va être une vidéo jardinage, aménagement, bricolage, etc. et tout en extérieur. Vous avez été beaucoup à me demander une vidéo jardinage. Alors, il faut savoir que je n'y connais rien, j'ai pas du tout la main verte. J'essaye de faire pousser quelques petits légumes depuis qu'on habite ici, donc depuis 2 ans. Et là, ça va être la 3e année. Et ça va, ça pousse assez bien, mais bon, voilà. J'ai pas du tout la main verte de base. Par exemple, j'ai pas de plantes chez moi parce que ben, les pauvres, elles tiennent pas le coup. Franchement, je suis trop nulle en jardinage. Du coup, je vous dis pas ce que vous allez avoir à faire ou pas, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes. Il faut savoir qu'on avait mis du paillage l'année dernière, donc il y avait un petit sol noir qu'on peut acheter chez Action qui permet en fait que les mauvaises herbes ne remontent pas. Comme vous le verrez, ça n'a pas marché. J'avais mis du paillage, donc ce que vous voyez, les petits morceaux de bois rouge par-dessus. Et comme vous l'avez vu, il y avait plein de mauvaises herbes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout enlevé, mais vraiment à l'arrache. Hein. J'ai essayé d'enlever la racine, mais il faut savoir que les racines vont quand même très loin. Donc je pense pas avoir tout enlevé. Mais voilà, j'ai essayé de faire un petit ménage comme ça. Ensuite, j'ai remis mon sol noir que vous pouvez trouver chez Action ou même en grande surface. Et ensuite, cette année, on a décidé avec Noé de mettre des bacs comme ça. Ça va être beaucoup plus simple, ça évitera tout ce qui est mauvaises herbes, etc. Et du coup, il a pu en monter lui aussi tout seul. Vous avez juste à emboîter les planches les unes sur les autres, vous avez une notice. Il faut savoir que ces bacs potagers, je les ai achetés chez Leclerc pour 10 € pièce et à l'intérieur ils vous fournissent aussi un sol noir à mettre au fond de votre bac potager pour éviter que les mauvaises herbes ne remontent. Donc voilà ce que ça donne avec le sol noir que moi j'ai mis en dessous. Puis on a posé les bacs potagers et on a remis le morceau noir en fait que eux fournissent avec les bacs. Comme vous voyez, ça fait une sorte de carré. Eux ils disent qu'il faut le visser. Moi j'ai mis des petits clous pour que ça aille plus vite, mais vous pouvez aussi mettre une agrafeuse à mur si jamais vous en avez une. Et donc à l'intérieur de chaque bac, je vais rajouter du terreau. Donc c'est des sachets que j'ai pris en grande surface à Leclerc chez moi. Je ne sais pas du tout si vraiment c'est du bon terreau ou pas. Je pense que oui, en plus c'est un truc bio et tout, donc je pense qu'il est bien. Mais je saurais pas du tout vous conseiller. Comme je vous ai dit, j'ai pas du tout la main verte. Je suis vraiment novice dans cette activité, on va dire. J'aime bien, ça me passionne dans le sens où c'est très simple à faire, ça repose et tout. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout la technique. Donc du coup, on a travaillé en équipe. Moi, je mettais les sachets dans les bacs et Noé, lui, il tapait pour enlever les morceaux parce qu'en fait, dans vos sachets de terreau, vous allez avoir des gros blocs et voilà, il faut bien les casser pour que la terre soit homogène de partout.
ensuite, du coup, on n'avait plus de terreau puisque j'avais pris que des petits sacs. On a voulu tester cette terre qui vient de chez Action. Donc, comme vous le voyez, c'est un bloc tout sec parce qu'il a été déshydraté. Et ils vous disent de le mettre dans un seau d'eau avec 10 litres d'eau. Sauf que moi, imbécile que je suis, je n'ai même pas calculé combien de litres d'eau j'avais mis dans ce bac. Donc, franchement, je sais pas. Je pense qu'il y avait peut-être 20 litres. Donc, c'était trop liquide. Donc, j'ai rajouté un autre bloc. Et en fait, vous allez attendre, vous mélanger et ça vous donne du terreau. Donc, franchement, c'est trop trop bien. Ça vous évite de vous trimballer les gros sacs de terre parce que moi j'ai dû prendre les petits tellement ils étaient lourds. Normalement je prends les très très grands et les petits étaient même au même prix que les grands, mais du coup il y en a moins dedans donc c'est pas du tout économique, alors que ces petits blocs là sont vraiment pas chers et vraiment très très bien. Bon, voilà où j'en suis dans mon potager. On a planté des fraises, des concombres, de la courgette ici, là des carottes. Là, il y a des tomates cœur de bœuf et là, des tomates cerises. Donc, je les ai bien espacées et j'ai mis que deux plants parce que ici, ça a poussé énormément. Et l'année dernière, j'avais vraiment une forêt parce que je les avais trop collées. Donc, du coup, juste tomates cerises ici et un plant de tomates et ça suffira amplement. Ici, j'ai mis du basilic et ça, c'était mon persil que j'avais déjà d'avant, que j'ai re-arrosé pour qu'il pousse. Là, il va falloir faire un bon ménage parce que là, il va falloir passer la débroussailleuse, enlever les petits copeaux là qu'il y a ici. Et une fois que cet arbre aura fleuri, ça fera aussi joli. Donc voilà, franchement, c'est pas mal. Je vais rajouter des barrières aussi ici pour terminer le coin potager. Mais voilà, à part un coup de nettoyage, on va dire, pour que ça fasse plus joli, plus propre, ça a l'air déjà pas mal. Et ensuite, on a rajouté un bac comme ça à étage pour pouvoir y mettre les herbes aromatiques. Maintenant, on passe à ma partie préférée, tout ce qui va être bricolage, aménagement, peinture, etc. Donc, dans une partie de mon jardin, j'ai décidé de faire une aire de jeu pour les enfants, pour qu'ils puissent s'amuser, qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Donc, j'ai acheté des meubles en bois que je vais repeindre. Donc, avec cette peinture-là, qui vient de chez Leroy Merlin, c'est le prix le plus basique, parce que c'est la marque de Leroy Merlin, qui est vraiment très très bien. Et j'ai utilisé ce pistolet à peinture qui vient de chez Lidl. Alors, il est bien, ça permet de faire les grosses pièces avec, mais le souci, c'est que ça en mais vraiment vraiment de partout et c'est pas trop pratique pour ça. Mais sinon c'est vrai que par exemple pour la table ou la maison on peut faire avec ça. Moi personnellement la maison je l'ai faite au rouleau parce que j'avais pas envie d'en mettre partout, mais les planches que j'ai mis en dessous, je vous montrerai juste après, je les ai faites avec le pistolet et ça permet de vraiment gagner du temps. Et j'ai repeint également mon portique avec la balançoire et le toboggan pour que tout soit harmonieux et que tout soit de la même couleur, parce que sinon on avait un bois qui était clair, un autre bois qui était foncé. Vous allez voir après il y avait le bac à sable où le bois était carrément orange, donc il n'y aurait vraiment eu rien à voir. Donc j'ai préféré tout repeindre. Du coup, on a fait une simulation avec Noé, avec les pots et les fausses boules de buis, les petites barrières comme ça. Ça fait plutôt pas mal. Je vais attendre que Walid rentre parce que là, il est pas là, pour savoir si je fais en quinconce, je sais pas si on appelle ça comme ça, pour les dalles, parce que j'en ai mis une comme ça, et là, pareil, ça refait là. Ou si je les mets toutes pareilles, je sais pas, je pense les mettre toutes pareilles parce que ça fait bizarre. Voilà, après, il n'y a plus qu'à peindre la maison, mais bien évidemment... Walid est parti avec ma voiture et j'ai laissé tout dedans. Voilà, ensuite on va repeindre. Je vais faire les bordures en gris foncé. Toute la maison va être blanche. Mais voilà, toutes les bordures comme ça là, tout ça va être gris foncé. Donc voilà pour leur petite maison. Avec monsieur Hayden qui nous accompagne dans sa balançoire. Je viens de peindre toute la maison et là avec Noé du coup on va mettre toutes les petites barrières. Désolée, il y a le soleil, du coup il y a mon ombre. Toutes les petites barrières comme ça, les pots et tout. On aurait dit un cheval, Hayden. Oh Hayden, t'es un coquinou. Regarde. Après tu cries parce que je l'ai. Sa petite tête de chat. On va mettre du coup toutes les barrières autour de la petite maison. Voilà, trop hâte.
Bon, du coup, finalement, j'ai changé la dalle de place pour que devant, ça fasse vraiment, en fait, comme des lattes de carrelage. Comme vous le voyez, la petite dalle à gauche, je ne l'ai pas changée, je le ferai plus tard, parce qu'en fait, on va devoir poser un tapis en dessous pour éviter que l'herbe monte entre les lattes. Donc, vu qu'on va devoir tout enlever pour remettre juste le petit tapis, j'ai pas tout changé, j'ai juste laissé comme ça pour vous montrer que les enfants puissent commencer à s'amuser. Donc, je vais mettre des petites barrières, ça, c'est vraiment pour faire joli. Je les ai prises chez Jiffy pour 5€, il y en a 5 dedans. Et elles sont vraiment pratiques pour les potagers et tout, ça peut vraiment faire super joli. Et pour que la maison paraisse un peu plus réelle, du coup j'ai rajouté ces deux grands pots avec des boules de buis que j'ai pris chez Centre Accor. J'ai rajouté cette petite jardinière qui vient de chez Action et je vais mettre des fausses fleurs dedans pour que vraiment ça fasse vraie petite maison. Bon, du coup moi je vais peindre le bac à sable, pareil en blanc pour être raccord avec le reste. Et Noé, lui, il a décidé de monter le barbecue. Donc ça, c'est un petit barbecue qu'on a pris à King Jouet. Voilà, il va le monter et après je pense qu'on le mettra là-bas, je pense. Voilà, ça y est, Noé, il a fini le barbecue et il a fait exactement la même présentation. Nickel. Franchement, il est trop beau. Hop, on va pouvoir aller le ranger. On va faire parfait dans leur petite maison là-bas. Après, il est vraiment petit, hein. Vous voyez, par rapport à Noé. C'est vraiment tout petit, c'est minuscule. C'est plus pour les enfants de l'âge de... Ouais, même Maggie va être grand, c'est plus pour Aiden. Mais bon, voilà, ça fera et déco et ils pourront jouer avec. Et ensuite, évidemment, on a mis le sable dans le bac à sable. Donc le bac à sable vient de chez Leclerc. J'ai pris celui-là puisqu'en fait, il a une espèce de petite ombrelle quand il y aura beaucoup de soleil. Mais sachez qu'il existe aussi un simplement bac, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce genre de petite ombrelle. Et le sable, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle grande surface. Ensuite, Maddy m'avait demandé de lui faire une marelle. Donc pour que ça fasse joli, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des dalles en plastique qui viennent de chez Action, de couleur grise, pour aller du coup avec le reste des couleurs que j'ai mises dans leur petit aire de jeu. Et je vais simplement écrire les chiffres sur le dessus. Et comme je vous ai dit, je vais rajouter des fausses fleurs dans leur petite jardinière. Donc elles viennent également de chez Action. J'ai fait le même principe en fait qu'il y a dans ma cuisine. Ensuite, je leur ai rajouté des petits chiffres sur le dessus de la maison pour que ça fasse vraiment vrai. Que ce soit en fait le nombre de la maison quand quelqu'un leur envoie un petit courrier. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi j'ai choisi ces chiffres-là. Donc je leur ai mis le 112, donc je vois que le 2 est un petit peu plus écarté, mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi ce chiffre. Alors le 1, puisque Aiden est né le premier, le 11, puisque Noé est né le 11, et le 12, puisque Maddy est né le 12. Donc au final, il y a leurs 3 dates de naissance en 3 chiffres, et donc du coup, je trouvais que ça allait super bien pour la maison de donner ce petit chiffre, le 112. Ensuite, on passe à la touche finale pour leur maison. Donc ça, c'est un petit kiff que je me suis fait. Donc je vais prendre de la peinture, un long tasseau, un autre petit tasseau et une petite boîte aux lettres trop mignonne que j'ai prise sur Amazon. Elle est plus petite que ce que je pensais. C'est une boîte aux lettres en fait qui était à la base pour le Père Noël. Donc j'ai simplement pris de la peinture. J'ai repeint cette boîte aux lettres rouge qui n'allait pas du tout avec le reste de la maison. Et donc du coup, je vais coller le petit tasseau sur le plus grand et j'aurai simplement à poser la boîte aux lettres sur le dessus.
Et donc voilà ce que ça donne pour leur petit aire de jeu. Donc je suis vraiment désolée, vous allez voir mon ombre tout le long, mais j'avais le soleil derrière moi et c'était pas possible de faire autrement. J'espère vraiment que ça va vous plaire, que ça vous donnera des idées. Je vous relisterai tout en barre d'infos pour savoir d'où proviennent chaque chose. Si jamais j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'y répondrai. Donc voilà, je suis super contente, c'est vraiment ce que je voulais. Une petite aire de jeu simple mais qui reste quand même assez jolie, que ça fasse pas tache dans mon jardin. Ça fait tache dans le sens où il y a beaucoup de choses, mais c'est aussi leur partie à eux pour jouer. Et là d'autant plus avec ce qui nous attend pour les 4 prochaines semaines, voilà, ça leur fait un bel endroit dans le jardin pour pouvoir jouer et ne penser qu'à eux. Et du coup, juste à côté, évidemment, je nous ai mis des petites chaises avec Walid pour pouvoir les surveiller. On a un bureau ici qu'il va falloir repeindre, que je leur mettrai pareil dans leur aire de jeu. Et là, dans ce gros coffre, on a tous les autres jeux avec lesquels ils peuvent jouer à l'intérieur de leur aire de jeu. Ensuite, on va passer au nettoyage. Donc du coup, avec Noé, nous sommes partis à Leclerc et on a trouvé ces coussins en fait pour les bains de soleil, parce qu'il faut savoir que moi, ça me dérangeait absolument pas de ne pas avoir de coussin dessus. Mais c'est vrai que Walid, il s'en plaignait, il me disait que ça faisait mal au dos, que bah, du coup, il n'était pas à l'aise dessus. Donc je me suis dit que cette année, j'allais prendre des bains de soleil. J'ai regardé un peu de partout pour avoir les moins chers, parce qu'il faut savoir que c'est pas donné, ces trucs-là, c'est vraiment pas donné. Il y en avait qui étaient à 70-80 euros, je me suis dit que c'était trop cher. Et j'ai trouvé ceci chez Leclerc qui ont une couleur parfaite pour mon extérieur et je les ai payés 30 euros pièce. Ensuite, toujours accompagné de Noé, il faut savoir que cette vidéo on l'a tournée mercredi dernier et le week-end. Donc en fait Noé a tout le temps été avec moi, il voulait absolument participer. Donc voilà, moi ça m'a fait de l'aide et j'étais contente de faire ça avec lui. On a débarrassé la terrasse puisqu'évidemment bah, il y avait du bazar vu qu'on n'y est pas allé de tout l'hiver. J'avais fait plusieurs achats pour la terrasse et j'avais tout mis dessus pour pas mélanger avec d'autres choses. Donc vous avez bien vu le bazar qu'il y avait. Et on a déhaussé tout le canapé. Il faut savoir que mon salon de jardin, donc le canapé plus la table, viennent de chez Cdiscount. Et les deux petites chaises que j'ai trouvées qui font exactement la même couleur que le reste, je les ai prises sur Mano Mano. Donc comme je vous ai dit, on a tout déhoussé, on a tout passé en machine. Et ensuite, on va tout enlever de la terrasse et je vais pouvoir nettoyer avec mon nettoyeur haute pression de chez Lidl. Donc avant de nettoyer, je vais passer un petit coup de souffleur parce que comme vous l'avez vu, il y avait plusieurs saletés. Après, on n'y est pas allé de l'hiver, donc forcément avec le vent et tout, il y a beaucoup de choses qui se sont mises sur la terrasse. Et comme je vous ai dit, je termine avec le nettoyeur haute pression de chez Lidl. Il est vraiment bien. J'ai pris la brosse en plus pour pouvoir bien frotter ma terrasse. Et j'étais impressionnée par tout le noir qui en est sorti. Les joints sont devenus blancs. Les joints d'une terrasse. Enfin, vraiment le truc incroyable.
Donc je l'ai bien frotté à fond et ensuite on a laissé sécher et franchement ça a séché super vite. Et puis on a remis tous les meubles du salon de jardin. De ce côté-ci, il y avait plein de jouets, donc on a tout trié, on a tout rangé et j'ai mis le panier de basket de Noé pour qu'il puisse s'entraîner un petit peu et dribbler. Donc voilà, pour mon entrée aussi, je ne vous ai pas filmé quand je l'ai faite, c'était très simple. J'ai simplement mis deux pots avec des fleurs roses comme ça. J'ai mis ma couronne que je vous avais montrée dans mon ancienne vidéo sur la porte et voici pour le salon de jardin. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous motiver pour votre extérieur si jamais vous en avez un. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.